Salut à tous, c'est Damzo sur Alien Isolation. On a toujours la mission trouver Samuels. Alors, faut que je me remémorise, pas même que je m'en mette dedans. Ça, je l'ai déjà actionné. Là, je suis venu par là. Là, il y a une unité de soins, c'est très utile. Hein? C'est magique les effets de lumière. Ah, pour un fumigène, tout ça. Bien. Et dans ce conduit, qu'est-ce qu'il y a? Un petit passage caché. Ah oui, carrément. Bon, je vais empoigner un fumigène. Voilà, parce que je sais qu'il y en avait un à côté. Donc, de la camelote, de l'éthanol, un émetteur de son. Ça, je sais pas ce que c'est. Détecteur. Bah, le souci, c'est que j'ai déjà tout. Un peu de camelote, non, je suis full. Ok. Pour l'instant, je dirais que dans le jeu, ils fournissent vraiment. Mais vraiment énormément d'objets. Je viens de récupérer. Je viens en paix. J'ai le fumigène de la paix dans la main. Qui tient le fumigène là? Il est loin. Bon, je faisais le kikou, mais là c'est fini. Hein. Si on me dit que ça y est, les androïdes sont de retour. Ma patience a des limites. Ah putain, je l'ai pas raté. Enfin, si, je l'ai raté justement. Tiens, tiens. Putain, ils sont combien? Lâche-le! Recule! Ne courez pas. Tiens! Putain, vous m'avez fait perdre de précieuses munitions, quoi, les mecs! Vous croyez que j'ai ça à foutre, moi, de vous tuer? Bon sang, quoi! Putain, encore un! Ah! Ça n'a pas suffi à le tuer, lui! Mais j'ai pas envie que tu m'aides! Ah, putain, il m'a eu! Il peut me tuer, là! Ah, je suis peut-être mouru, là! Non! Je voulais partir! Putain, je t'ai mis une balle de fusil à pompe quand même dans le... Oh là, ils m'ont ressorti une armée d'androïdes invulnérables. Bon, deux tout de suite. Peut-être qu'il faut recharger tout là. Putain, le machin, je lui ai quand même mis une balle et ça l'a pas tué. Encore une dans le revolver. Ok, le revolver il est chargé. Le fusil à pompe, on va le recharger. Ouais, ok, bon, j'avais oublié que c'était madame, je mets une balle une par une. Je vais refaire mon medikit. Ouais, du coup, je vais tout de suite réutiliser un medikit. Comme ça, on est prudent. Et je vais tout de suite le refaire. En fait, les androïdes, si vous pouvez venir en groupe, ça m'arrangerait. Est-ce qu'il y en a encore un qui compte sortir? Parce que là, je pense que j'ai tué toute la famille. Ok, il y a des trucs ici.
Donc il faut qu'on évite machin. Qui doit certainement se couper là. C'est que j'ai pas envie de tuer tous les androïdes du coin non plus. Voilà, allez, il veut plus vous voir. Détecteur. Loin normalement. Toi, tu restes à dormir là-dedans, ça me fera plaisir. Hein. N'essaye pas de te relever. Coucou, c'est moi. Tu vas où toi? Hop 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 hop. Toi tu vas un peu loin là mon goût. Allez, je vais rentrer là-dedans. Pareil, désactive. Ouais, pas de caméra. Truc de seringue, ça sert à rien. Le cahier sert à rien. Encore un passage souterrain. Le routage vient de le faire. Tu comptes te lever toi? Non, tu comptais mourir, ça va. T'as encore une alarme? Allez, recasse-toi de l'autre côté, je te redésactive et c'est fini. T'es où ici? Ah, le contrôle est loin. Oh, cartouche de fusil, ça je suis d'accord. D'habitude, je suis partisan de voyager en souterrain. Mais là, je me sens bien, je me sens en confiance. Je suis partisan du voyage en hauteur. J'ai dû tuer tous les robots qu'il y avait. Enfin, tous les robots offensifs. Je vais te pirater, toi aussi, t'inquiète pas. Alors ça, puis ça, au fond et au-dessus. Allez, ouvre-toi. Tiens, salut Samuels. Ripley, je suis heureux de vous voir en vie. Le périmètre de sécurité d'Apollo a été conçu pour que seuls les synthétiques de Sixon puissent interagir avec lui. Écoutez-moi, je vais devoir prendre des mesures plutôt radicales si je souhaite me connecter à Apollo. Oui. Et ta phrase, elle est finie? Ok. Bon, là, on est bloqué. T'inquiète pas, mec, j'arrive. Je viens de sauver. Enfin, je sais pas, t'es en danger ou pas, au fait? C'est lui. Faut rétablir le courant. Un peu de lumière. Je vais utiliser la chambre de reformatage. C'est la seule option. J'ai dû dévier une partie de l'énergie de la zone pour pouvoir tenter ma chance. Oui. Et... t'auras une sauvegarde. Hop là, c'est fini. Mec, je suis là. Ne fais rien de dangereux. Samuel, c'est trop dangereux. Oui, c'est bien trop dangereux. Souhaitez pas bonne chance. Samuel, mais... non. Mec, qu'est-ce que tu fous là? C'est un scanner ça. Je suis pas sûr qu'un scanner pour un robot soit conseillé. Apollo, l'infection a été purgée. La créature n'est plus à bord. La station est en sécurité. Demande la suspension de toutes les opérations de confinement de danger. Alerte, connexion non autorisée. Ripley, Apollo est en train de repousser.
On a peut-être un problème. Samuels ? Apollo essaie de m'empêcher de communiquer. Oh non ! Amanda ! Vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement. Je vous en prie ! Samuels ! Je vais essayer ! Attendez ! Vous devez le faire dans le bon ordre. Sinon la chute risque d'être mortelle pour moi. J'essaie d'accéder au schéma de Sixon. Débranchez le câble rouge en premier. Câble okay. Rouge. Rouge en premier. Toi, je le suis. T'inquiète pas, je suis sur la piste. Wow. 25% des capacités du système. 50% des capacités du système. Énergie locale supérieure au paramètre de sécurité. 75%. C'est bon. Ensuite, cherchez un câble bleu. Vous le voyez ? Trouvé. Ça va, pour l'instant c'est simple. C'est pas stressant, c'est pas dur. Je l'ai. Bleu déconnecté. Après. Je commence à avoir du mal à accéder au schéma. Apollo ne facilite pas la tâche. Oui. Il faut le suivant, Samuels. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe dehors, Ripley ? Les lumières d'urgence se sont allumées. J'arrive pas à différencier la couleur des câbles. Il va falloir me guider. Le suivant devrait être branché dans une prise murale. Je me souviens qu'il y avait un chariot retourné à côté. Tu l'as ? 30 secondes avant la sauvegarde d'énergie. Prise murale et chariot retourné ? C'est celui-là. Oh putain ! Il en reste encore deux, Ripley. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un android désactivé pas très loin à côté. Ok. Merci l'android, je t'ai vu. Je l'ai, ça passe. Plus que le dernier maintenant, Ripley. Allez, ta gueule, le dernier. T'es éteint. Conclusion ? C'est triste, ils ont réussi à nous rendre émouvant la mort d'un robot. Ça s'ouvre ça ? Non. Ricardo, si t'es là, réponds. Je suis là, pardon. Samuel, c'est mort. Merde. Il a ouvert le transit d'Apollo pour moi. Je vais y aller directement. Je vais faire en sorte qu'Apollo lève le verrou. C'est où ? Ouais, il y a ça qui s'est ouvert. Cartouche de revolver, détecteur, pistolet. J'ai pas de pile ? Non, sans déconner. J'ai gaspillé toutes mes piles. Bon ben, un fumigène alors. Là, y a rien. C'est bizarre ça quand même. J'ai pas de pile de secours quoi. Tac. Va là-bas. Bah normalement personne me menace. On va courir un peu. Y'avait pas une sauvegarde dans le coin que j'ai raté peut-être ? Si, je crois que j'ai raté la sauvegarde. Pas grave, je m'en remettrai. Si je me fais tuer, je m'en voudrais. Et moi qui ai fait le tour du monde pour rien. Attendez, c'est peut-être par là.
Oh putain, je suis en train de faire le tour du monde, mais vraiment pour rien, quoi. J'avais juste passé par là, quoi. Oui, il faut tous trois faire. Je vais devoir y jeter un avis. Que faites-vous ici? Jamais. Voilà. On est d'accord? Putain. On peut même pas vivre en paix ici. Là, je les ai tués, ceux-là, normalement. Sauvegarde. Il faut que je regarde, mais je pense que le transit est dans le coin. Ouais, bah, il est censé être... par là. J'ai dû me planter de direction, là. Parce que je suis sur le transit. On va essayer de descendre. Sinon, je me suis méga planté. Rip, je viens de trouver un truc, un enregistrement. Faut que t'écoutes ça. Vas-y, balance. Toi, c'est Marlon. Ouais. Moi, c'est Bruce, chef de secteur chez Wayland. Oh là, la grosse artillerie, hein. Elle est passée où, la gamine, avec des problèmes d'identité? Patrick l'est en dehors de ça. Elle cherche juste des réponses. Moi, je veux plutôt préserver les intérêts de Wayland Yutani. Et moi, je voudrais bien sortir de cette foutue cellule. Peut-être qu'on peut s'arranger. Peut-être. Je sais pas si t'as remarqué, mais notre conversation est enregistrée. J'ai vu. Il y a la petite lumière rouge. Il me faut des données. Les coordonnées du planétoïde, vous avez trouvé les paves. Toutes les données que vous possédez sur les origines de cet organisme. Je peux te donner tout ça. Et aussi un moyen de sortir de la station. Ou juste que tu me fasses sortir. Ta proposition me paraît acceptable. C'est quoi ce bordel? Le transit privé d'Apollo est disponible. Mais non, fais-moi sortir de là, tout de suite! Fais-moi sortir! J'ai entendu. C'est où? Ah, je me barre du mauvais côté. Petite sauvegarde. Mec, s'il se pointe, je le fusille. Cash. Donc Taylor, elle nous a trahi. Connasse, quoi. Y a que des traites dans ce truc-là, en fait. C'est celui-là ou l'autre? Ouais. Verrou du transport actif. Faut que j'aille tuer le machin là-bas. Et de synthétique vous remercie de votre fidèle utilisation du transit de Sébastopol. Attendez, j'ai appelé le bon transit ou pas? Mais qu'est-ce qu'il est toujours là-bas, en fait? Ouais. Surtout, reste-y. Il ne vient pas me voir. En tout cas, il y en a ras-le-bol. Alien, c'est un truc, il n'y a que des traîtres. Tout le monde y veut l'alien, en fait. Et moi, je le veux pas, par contre, je l'ordonne. Est-ce que c'est bien ça? Navette à destination de l'unité centrale Apollo, Tour Simon de Sébastopol. Ça doit être celui-là, c'est le bon. Ça doit être le bon transit. Je pense que... peut-être que si j'étais allé tuer le synthétique, j'aurais pu débloquer un transit à côté. Mais j'ai pas envie de tuer un synthétique qui est pas sur mon chemin direct. T'es à l'étage juste au-dessus du noyau d'Apollo. Toute la zone abrite les systèmes de support d'Apollo, avec l'IA dont le noyau est au centre.
Apollo a empêché Samuels de lever le verrou à distance. Mais Samuels a réussi à faire en sorte qu'Apollo te parle une fois que tu seras dedans. Ouais. Bien. L'air cool cet endroit. Maurice. Dans le transit. Détecteur. Il y a plein de trucs à ramasser là. Attends. 6, 3, 3, 3, 3. IEM c'est 3 aussi, ouais. Bon en fait tu fous partout sauf en fumigène. Alors, petit terminal de lecture. Rien. Ensemble pour demain, l'épopée de Sixon dans l'espace colonial. Une histoire officielle par Sébastien Sig. Première impression chez Regard sur Sixon. Notre ascension vers Sébastopol. Pendant que Sixon apprêtait son ascension dans l'espace colonial, son implantation commençait à prendre forme. Sébastopol, une station au potentiel inégalé, une localisation parfaite dans l'espace lointain reculé. D'abord, entrepôt Lawrence Silstek Development se chargera de sa construction et nos associés de Geofoon Investor de son financement. En revanche, l'inauguration de la station coïncidait au moment où la course spatiale battait son plein. Des années d'ingérence ajoutées à la redirection de l'itinéraire spatial Terre-Tellus et Sébastopol risquaient le démantèlement. Heureusement, Sixon attendait dans les coulisses pour redonner du charisme à la station. Autre chose, 2124 marquait ainsi notre arrivée sur Sixon, rendant ainsi enfin possible le centre cosmopolite et l'effervescence que vous pouvez observer aujourd'hui. Je me suis rendu à Apollo pour trouver ce qui a rendu les synthétiques dingues. Cet endroit est devenu un enfer. Apollo a retenu les missions primaires des androïdes et a laissé en plan la maintenance qu'on avait demandé après la nouvelle. Il y a du liquide de refroidissement partout. Le gaz fuit et l'ascenseur d'accès principal s'est verrouillé. J'ai fait une demande d'aide, mais je suis 45e sur la liste d'attente. Les systèmes sont tout à coup complètement obnubilés par les mesures de confinement. Je vais trouver un moyen de descendre. Spelling, terminé. Ah, Spelling, il est descendu quelque part. Rien pour l'instant là. Pas de sauvegarde ni rien du tout. C'est rouge. Placez les armes. Et Apollo, remercie pour votre aide. Tu parles. Attendez, je viens de faire quoi là? Sérieusement, j'ai déposé mes armes. Je suis un cinglé, moi. L'ascenseur d'accès au noyau d'Apollo est actuellement hors ligne. Les systèmes primaires d'Apollo sont actuellement inaccessibles. Ricardo, l'entrée est bloquée. Il doit y avoir des schémas utilisés pendant la visite des acheteurs de Sébastopol. Il y a peut-être une porte arrière. Je récupère où mes armes? T'es cinglé toi, qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi t'as donné tes armes? Mais je comprendrai jamais les gens de jeux vidéo quoi. Qu'est-ce que allait donner ces armes par terre? Je pense qu'il faut faire un retour en arrière. Y'a pas une porte qui s'est. Y'a certainement une porte qui s'est ouverte en arrière. Non? Voilà, j'ai dû me paumer là. J'ai dû rater un truc. Là, y a rien. Là, y a rien. Là-dedans, toujours rien. Par terre. Rien. Ah oui, non, là, j'ai carrément raté beaucoup de trucs, je pense. C'est là où... Non, c'est pas par là. Je suis dans la bonne direction en allant par là. Bon, je
suis un peu paumé en fait. Est-ce que... Non, c'est ici. Il y a un truc au plafond. Alors, c'est marqué quoi? Vérifier les schémas des visites de vente d'Apollo. Ok. Il y a une liaison électrique jusqu'au noyau d'Apollo. Je peux l'utiliser. Tu penses pouvoir passer? Éteindre les systèmes électriques, respirer un bon coup, se plier en quatre. Fastoche. Compte pas sur moi pour venir te sortir de là si t'es coincé. T'inquiète pas. C'est tout? Et maintenant? C'est cool d'avoir trouvé ça, mais je le prends où ton conduit? Y'a pas autre chose? Tapez le mot de passe. Attends. 49-30.